Les aikidokas sont tôt ou tard amenés à se poser la question de la place qu'occupe le bukiwaza dans leur pratique. Pour moi, le travail aux armes présente un grand intérêt du fait qu'il enrichit notre pratique à main nue. Je vais, à travers quelques exemples et de manière non exhaustive, mettre en lumière en quoi l'utilisation des armes peut être un formidable outil pédagogique et méthodologique pour nous aïkidoka. Le bukiwaza nous aide à parfaire notre posture à travers l'ensemble formé par le corps et l'arme. L'utilisation des armes nous invite également à apprécier et à gérer de nouvelles distances et d'autres priorités. Le bukiwaza nous amène à envisager la notion d'irimi à travers des actions très directes. Il favorise ainsi notre détermination. De plus, du fait d'un niveau de danger élevé, la pratique des armes nous demande plus de concentration, d'attention et de vigilance. Enfin, le bukiwaza doit nous faire tendre vers davantage de maîtrise et de contrôle durant nos mouvements. L'aïkido est à mon sens un art martial qui peut se suffire à lui-même. C'est la raison pour laquelle je ne pense pas que le bukiwaza soit absolument indispensable pour nos aïkidoka, même si c'est un plus et qu'il fait clairement partie de ma pratique et de mon enseignement.